Ouais, mon CV, il a de la gueule comparé à avant. Bonjour, donc moi je m'appelle Tanguy et j'ai fait un stage first avec Actiris au CMOM, c'est une ASBL qui recueille des animateurs, donc à peu près une soixantaine d'animateurs. Et ces animateurs sont redistribués dans toutes les écoles de Saint-Gilles. À la base, j'ai juste eu un rendez-vous avec Actiris parce que je cherchais un emploi. Et c'est là qu'ils m'ont proposé ce filon-là et ça m'a paru intéressant parce que j'avais pas de diplôme, pas de formation. Déjà, c'était un secteur qui me plaisait. C'était pour se lancer une première fois dans un métier parce qu'avant ça, j'avais fait peut-être des jobs étudiants, des stages, mais jamais rien de vraiment de très concret et très poussé. J'ai appris plein de choses parce que déjà, j'avais jamais vraiment animé. Moi, j'avais fait des études d'éducateur que j'ai abandonnées. Et du coup, j'avais des bases sur l'accompagnement dans la vie quotidienne des enfants, mais pas dans l'animation. Et du coup, j'ai pu un peu lier ce que j'avais appris à l'école avec les animations pour rendre les moments le plus agréable possible, parce que c'est des moments où les enfants ont besoin de temps mort, ils ont besoin de break avec la scolarité, et c'est ça que nous, on apporte. Ça va montrer aux futurs employeurs, pardon, que j'ai acquis de l'expérience, que je sais travailler en équipe, tout ça. Ouais, mon CV, il a de la gueule comparé à avant. Je pense pas, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais un peu parti de nulle part et j'avais jamais rien fait avant, donc c'était un bon appui pour se lancer, quoi. Ça m'a permis de commencer quelque part, là où moi, à la base, j'étais nulle part. Ça m'a un peu réconforté avec la vie professionnelle, tout ça. Yes!